Mais je dis juste que depuis quelques temps, tu plagies un peu Mais trop je plagie Squeezie. Squeezie, je plagie Squeezie, je Plagie personne. Tu vas pas t'y mettre, toi non plus, t'es mon côté diabolique. Bah, en même temps, tu plagies un peu Squeezie, tu plagies un peu tous les autres youtubeurs. Tu es d'accord avec moi? Mais écoute, je fais peut-être comme Squeezie, je fais peut-être comme tel youtubeur, mais on va arrêter. Je me suis déjà assez accusé à cause de cette vidéo sur Octodad. Non? Et la vidéo où j'ai battu Squeezie. Bon, en même temps. Oui, bon, ok. En même temps, il faut dire ce qui est. T'avais envie de tester Spooky House. Oui, j'avais envie de tester Spooky House. Et alors? Ça fait de moi un délinquant? Mais n'empêche que tu plagies de plus en plus Squeezie. Eh, c'est bon, vas-y, arrête de m'emmerder, wesh. Et là, tu plagies le palmachin. Bon, vas-y, ta gueule. Action complète. Hello les potos. Oula. Aujourd'hui, on se retrouve sur MacBat 64. Oh là, j'ai la totale aujourd'hui. A game by Marcus on with me, Jay Mother. Bref, c'est la suite des aventures de notre petit kiwi que nous voyons juste ici. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Ouh, j'y peux voler. Alors, le but du jeu, je pense, c'est de récolter des trucs un peu comme dans... Oh! Un peu comme dans... comment il s'appelait déjà? Ah oui, Kiwi 64. C'est plus facile quand on a des ailes, n'est-ce pas? Ces enfoirés de kiwi. Ah. Ah, faut amener les ballons ici, d'accord. Donne-moi ça, toi. Merci. Vole, petite chauve-souris. Non, mais vole plus que ça. Oh, un cacatoès étrange. Allons lui parler. Ah, oh, c'est un pirate. Êtes-vous Jack Sparrow? Ok, on veut que je jette ça? Pas un souci, je jette ça. Alors, le but du jeu a pas l'air bien fifou non plus, hein. Encore moins que Kiwi 64. Faut juste libérer ça. Pour ça, on se jette à l'eau. On a complété la démo. Ouais. Très bien. Alors, je vous propose que l'on se retrouve sur un autre jeu. J'espère en avoir un autre, surtout. Hello les potos. Cette fois-ci, on se retrouve sur le jeu que je comptais faire, mais que je ne trouvais pas, malheureusement. Finalement, je me dis, j'aurais peut-être pas dû le trouver. The Midnight Man 2. D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, il y a une amie à lui qui est morte, il parlait du Midnight Man, et qu'est-ce que c'est que ces trucs pixelisés à la noix, là? Help us. Toxic gas, fan, gigant missing, and pipe. Oh lolo, mais... Je dois faire quoi, là? Ouais, hé, ça, hé, m'a fait peur. M'a fait peur. Ah, ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Qu'est-ce qu'il me veut? Qui m'appelle? Désolé pour cette interruption plus que mouvementée. On va reprendre là où on en était. Sans trop monter le son. Bon, du coup, je comprends pas trop le but du jeu, en fait. Night One. Il n'y a plus de son. Pourquoi il n'y a plus des sons? Est-ce que j'aurais, par hasard, inversé les deux trucs? Dans le doute, on va baisser le son, quand même. On va pas trop faire les fifous, hein. Vous connaissez. Je suis pas trop, fifou. Alors, je crois que le but du jeu, c'est de te dire qu'il y a un gaz toxique dans cette maison. Un gaz masque, un fan, non, masque à gaz, ventilateur. These gone missing candle and paper with their name found that. Wow, 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 allez. Permettez que je bouge. Excusez-moi, pourquoi il y a une tête bizarre là? Pourquoi il y a une tête. Eh, vas-y, c'est nul! Midnight Man 2, mes couilles, ouais. J'ai pas joué au 1, mais je suis sûr que le 1 il était mieux. Bon, écoutez les potos, je crois que ça va se finir là-dessus, hein, je suis désolé.
Mais je sais pas, j'ai été atteint d'une malédiction, voilà. Sur ce, les potos, je préfère mettre fin à la vidéo avant que ça devienne vraiment trop de la merde. J'ai envie de vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie d'en voir plus. Aimez ma page Facebook si vous avez envie de voir des petites conneries. Faut aussi me suivre sur Twitter, j'essaye d'être plus actif, même si j'avoue que c'est pas très facile parce que j'ai trop l'habitude d'aller sur Facebook. Abonnez-vous, c'est le plus important, c'est là qu'est ma principale activité. Sur ce, les potos, je vous dis, pardon. Très bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était PowerLine.42 qui vous dit à la prochaine. Bonsoir les amis. Je me présente, je m'appelle Kit. Vous avez déjà dû me voir dans la série Night Rider. Je suis ici pour vous parler de PowerLine.342. Ma base de données indique quelqu'un de drôle, d'amusant et de très doué dans ce qu'il fait. Aussi, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Personnellement, je vais voir ses vidéos tous les jours lorsque je n'ai rien à faire. D'ailleurs, excusez-moi, on a besoin de moi. Powerline, embarque. Allons sauver le monde.